Bravo. Ça, et toi, t'es dans la police depuis quand? À peu près. C'est à mon quatrième jour là. Non mais avant, c'est quoi ton background? Ah, mon background. j'étais un ancien Marines. C'est tout. Oh bah, c'est déjà pas mal hein, 8 ans en tant que Marines. Oui mais pourquoi t'as fait Marines? Bah parce que mes parents étaient des Marines, c'est une histoire de famille, donc on a suivi le créneau. Oh, on va te balayer les couilles. Mais comment de Marines tu peux passer à recrue? Eh ben, quand on a été démobilisé du d'Afghanistan, là, c'est arrivé au même moment. T'as été démobilisé? Mais t'as pas entendu que les États-Unis se sortiraient d'Afghanistan? Oui, y a pas longtemps, si, j'ai entendu. Et en fait, ça concordait avec ma fin de contrat, et j'avais, depuis tout petit, je voulais rejoindre les flics, enfin la police, j'ai sauté le pas. Et pourquoi t'as voulu rejoindre le pas? Pour protéger, servir les citoyens, faire mon boulot de flic. Et là, j'ai envie de rejoindre le SWAT pour leur filer un coup. Moi, je veux enlever toute cette racaille de ce pays. Alors, ton radio. Je veux qu'ils s'appellent tous Gabin et tout. Bon, t'as compris un peu le. 22, t'as fini avec ton permis ou pas? Non, mais c'est vrai, hein, j'en ai marre, ils sont partout, c'est trop, il y en a partout. Devant la voiture. Partout dans les campagnes. J'ai un plan, le Big Z. Le Big Z? Ouais, c'est un plan que je suis en train de mettre en route. Ah, ok. Et la voiture, de quoi? Il s'agit de quoi ton plan? Tu veux en faire quoi? Le plan, c'est que toute la racaille, je la vends en tôle ou loin d'ici. Toute la racaille qui fout la merde, qui vend de la drogue, qui font des trucs avec des. tout ça là. Allez où ça dégage? Ouais, c'est du gros taf, hein. Ça va pas se faire de quoi un jour. Hein. Ça va être beaucoup de boulot. Hein. Ah, mais ça va se faire un jour ou l'autre, hein. Qu'est-ce que tu crois, toi? On est là pour ça. Hein. Ouais, bah oui. Marie 06, 41 secteur. C'est calme en ce moment, c'est calme. Pas vraiment. 4 premiers jours, à chaque fois j'ai eu des gros inters. Hier, on a une prise d'otage. Mais non. Avant ça, on a eu un suicidaire au bord d'un pont. Vous avez un souci de quoi? Non, il y a quelqu'un qui voulait suicider à travers au-dessus d'un pont et on a réussi à le sauver. Madame 82, vous êtes bien Adam? Incroyable, et il est mort? Non, ah, il merde. Est parti à l'hôpital et tout. Ah merde! Ouais. Après, si dans l'idée ma couille est disponible, ça me va, hein! C'est quoi sur le GPS 81, 80, 79? C'est les demandes d'inter. Quand il y a un vol de voiture ou de la vente de drogue. Ah, stylé! Vas-y, viens, on va 81. Vous pouvez faire 10-19. Là, on a plein en plus côté du parc. Quand tu les vois, n'hésite pas à me dire c'est quoi le modèle, comme ça. Alors le 80, on cherche une Mesa. Catcher à 82. Oh, ok, le 80. Plaqué 48 PHV. Veillez-vous s'il vous plaît. Alors là mon gars, avec la plaque, si on n'arrive pas à l'attraper. Non, on est full, nous, on est occupé. Regarde ces glandeurs, écoute, tu les 95. Entends? Oui, j'entends. Non, Adam, sinon je viens. Hein. Le Rebla. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez récupérer 54 au PDP s'il vous plaît? Mais bien évidemment! On va récupérer 54? Faire chier aussi, c'est possible. Nous y allons de ce pas. Ah, ça fait combien là au total? Vous êtes pas des gens patrouille, vous, 29? On sera en tango avec le dernier. Oh voilà, bombarde mon gars, bombarde, voilà! On va éviter de trop bombarder, en 3 jours j'ai retourné 3 voitures donc bon. Ça va, et le problème, il y a toujours des problèmes de clés et tout là, le truc. Ah ouais, non, ça c'est infernal ça. Mais je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Je vois pas là, je comprends pas trop le truc. Hein? L'évolution. Ouais, ça. Bon, je trouve que ça dérange plus qu'autre chose en vrai, non? Je suis plutôt d'accord avec toi, mais bon, c'est comme ça. À 54, on est au commissariat, on t'attend. Ouais. Allez, pitié, laissez-moi conduire. Il est plus là, 34? C'est qui, 34? Allez, attends, tiens. 34. On voit les clés. Attends, c'est Satanas? Santana. 34, il est pensant. Ah, d'ailleurs, 54, t'as changé de coiffure. Ouais, ça te plaît? Tu ressembles à mon frère, dis donc. Ah, je ressemble à ton frère. Eh ben, j'en ai rien à foutre. Oui, 54, ça a le mérite d'être clair.
Non mais parce qu'elle veut faire la gentille maintenant. Il y a une semaine elle faisait Zarma la meuf agression sexuelle et tout et maintenant elle dit ça. Oh tu l'as agressée sexuellement, t'as pas honte? Mais non, tu me connais, jamais. Bah c'est ça le problème, c'est que je te connais. Les accusations sont dures. Non. Agression, oui, sexuelle, je sais pas. Officier 42, 18. T'as des choses à avouer, Santanas? Non. Tu faisais un dos d'honneur à qui, toi? Bonsoir. Quoi? Descends de ta voiture! Ouais, tu faisais un dos d'honneur à qui? Descends de ta bécane! Lequel? Tout derrière, là, celui avec le bonnet. Le casque, d'ailleurs, il est où? C'est parce que t'as vu, ma grosse touffe, elle rentre pas dans le casque. D'accord, et bah du coup, tu vas descendre de la moto, tu vas marcher à pied. Ça arrive dans 2 minutes, 7. Si t'as pas de casque. Pourquoi? Bah parce que je vais pas te laisser à être. Boy, c'est la hure, tu connais, boy. C'est la hure. Y'a pas le bâtard. Regarde, si dans 10 secondes t'as pas mis de casque ou que t'es pas descendu de la moto, je te mets un petit contrôle. T'as pas envie que je te fouille. Oh, jure, tu fais l'enfoiré comme ouais, ça, toi. Allez, dépêche-toi, il te reste 6 secondes. Ah ouais, putain. Allez, le casque. Allez, 4 secondes. Allez, mets ton casque. Bande de bâtards. Je vais me souvenir de vous, bande de bâtards. Allez, ferme-la et mets ton casque. Allez, avancez. Allez, la bonne journée. Ferme ta gueule et mets ton casque. Attends, mais il se fout de ma gueule. Il le met pas, tu l'auras jamais. Je te paye un grec si tu l'as alors que t'es en voiture et il est en bécane, c'est bon? Vas-y, t'inquiète. Vas-y. Allez, j'espère juste qu'il m'arrive pas de galère. Non, mais il est en bécane, voilà, c'est bon, et tu l'auras pas. Bon, oh non, ouais. Mais non, abuse pas, frérot. Il nous fait des trucs de 2017, le mec, il abuse. C'est pas grave, je le tasserai la prochaine fois. Wesh. Il est monté en bécane les escaliers, ça. Hey, il m'a fait une montée de marche, le bâtard, il a pas eu mon choix. T'as vu, c'était pas 4 marches, c'était une montée. Il abuse. Ah, dinguerie. Ah, si je l'attrape, je vais lui mettre tarif. Après, on sait pas, peut-être que dans son histoire, son père était ancien pilote de cross, tu vois, tu sais pas. Hein. Attends, mais rigole pas, hein, tu sais. Mais je crois, il est. Ah oui, non, mais attends, il est même redescendu derrière, ça veut dire. Attends, mais là, il y a un monde où il est encore en haut, lui, hein. En vrai, tu fais la même en RP, jamais de la vie. En RP, je fais pas ça. C'est quel grade maintenant, toi? Qui, moi? Ouais. Recru. Toujours recru? Ouais, toujours. Et bah, toi? Tu te branles aussi, hein? Bah, toujours officier. Ouais, je me branle de ouf, par contre. Toujours officier? C'est fini, là-bas, ouais. Je sais pas quoi, là? Non, là, maintenant, je suis dans la DCI. C'est quoi? Ah, les enquêtes, là, genre? Ouais. Ça avance? Tranquillement. On va voir, ce soir je sens que ça va bouger. Waouh, y'a des dingueries ou c'est moi là? Moi cette rue elle m'horrifie. J'arrive pas. Elle est hantée. Mais attends, mais y'avait pas ce bâtiment la dernière fois? À gauche? Oh, mais ouais, je suis pas fou là. Ouais, je crois que t'es ouf, y'a toujours ces bâtiments là, wesh. Mais non, mais attends, déjà la dernière fois c'était le bâtiment à droite là, le gouvernement. Regarde à droite là, le gros gouvernement là. Tu penses de quoi? On va le voir là, attends. Ah, c'est de là. Demandez à l'appui. Vas-y, pas en course pour suivre. J'ai vraiment l'impression que t'as une voiture de merde. J'ai l'impression que ça le fait en vrai. Est-ce qu'il part en course poursuite? Est-ce qu'il part? Il va se mettre sur le côté, ce bouffon. Non mais en vrai, pas en course poursuite au vu de tout ce que tu viens de faire, t'es mort. Vas-y. Il est trop con. Il a dit vas-y, genre vas-y, t'inquiète. Je vais lui mettre tarif en plus quand je vais l'arrêter. Oh la vieille face. Avec d'autres, mon pote! Hey, je te percute pas, mon pas! Ah, par contre, si j'ai des problèmes aussi. T'as vu ça ton problème aussi? Non, mais t'as vu si j'ai des problèmes aussi ça. Mais on va jamais l'attraper avec tes problèmes! Si, t'inquiète, mais t'inquiète. Là, il fait des zigzags pour aller tout droit, je comprends pas ce qu'il fait là. Ah, il va me prendre une ruelle là. Ah ouais. Wesh Titus. On commence à être un ancien là. Eh ouais, regarde. On est tous des anciens, même moi hein. La map c'est Liberty City, ouais. J'étais à 4 pour ceux qui demandent. T'as vu comment il est concentré, t'as vu ou pas? T'as vu Vas-y, dépêche. T'as rien dit. Ah, tu lui fais juste ah, il est dans le doute. Savais pas s'il devait s'arrêter, il était en mode ah. Qu'est-ce que je fais? Je continue pas. J'ai pas mal, comment je dois? Bélex, en poteau, va tout droit.
Ouh là là, le demi-tour il a l'air lourd. Hein. Merci, fais l'entour. Radio, s'il vous plaît. 10-09, retour radio. Oh putain. Oh, oh, y a des dingueries à faire ici, frère. Non mais t'es nul là, arrête tes conneries, frérot. Oh, tu fous ma gueule, mais en plus ça s'est arrêté au moment où j'ai commencé à arrêter. C'était sirène qui font ça. C'est les sirènes. Tu vois le mec, il panique. Non, je suis une grosse. Attends, je coupe les sirènes. Tu sais quoi, regarde, si tu m'as la montre, oh, t'es. Oh, il est con. Oh, il est con. Oh, il est con. Oh, il est con. Oh, il est trop con. C'est quoi, regarde, si tu l'attrapes pas, t'es une grosse pute, c'est bon. Mais je le sais que si je l'attrape pas, je suis une pute. Mais une grosse, hein. Eh, hey, ah, tout le monde passe sur toi, frérot. Tout le monde passe sur toi, vas-y. Le mec, il en profite. Pour ça, on va l'attraper ou pas? Bon, tu tentes un truc ou c'est comment? Eh, hey, j'ai pas conduit depuis 2010. Ouah, les excuses! J'ai pas conduit depuis 2010. 02, 06, attends, je le prends et je reviens. Toujours plus, ouais. Vas-y, moi, je fais 19 PDP. Oh putain. Oh, t'en des trucs, tu fais des tout droits. Oh, ouais, ouh, la chatte, ouais, 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 la ouf. Même moi, je sais pas si je dois arrêter là. Frérot, t'as des problèmes de cerveau? Eh là, j'ai. Putain! Wesh, frère, c'est abusé ce que tu fais! Eh là, 2070, elle me nique ma race là, wow, frère! Putain! Ah, je sais pas si c'est elle ou. Ah, ou c'est... j'en ai aucune idée! Ah, t'as vu, il a dit nique sa mère, on va truquer ici, je crois, il tente des trucs. Ah bah. Oula. Aïe, 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 vous connaissez la mélodie, on descend du véhicule, hein. Ah non, on la connaît pas, je t'en mens pas. Ah bah tu la connais. Waouh, la mélodie. Ta carte d'identité à toi déjà, mon petit pépère. J'ai pas été à la mairie, chef, je te mens pas. T'as pas été à la mairie? Et toi, t'as une carte d'identité? Mais toi, je te connais, toi. Non, non, chef, hein, moi, je viens d'arriver. Si, toi, je te connais. Non, non, y'a rien. T'es sûr, je te connais pas? Je te jure, je te connais pas. Et vous venez d'où? Bah, de Liberty, hein. Quel quartier? Quelle rue? T'es con? Francfort, donc du coup pas de permis, mets-toi contre le mur, je te fouille. Toi aussi là à gauche. Vas-y. T'as beaucoup de liquide sur toi quand même, tu fais quoi avec tout ça? Bah, on va aller à la mairie, chef. Ouais. On a des trucs à régler là. Ah ouais. Ah putain. Ah ouais, t'en as du liquide. Ça devient, toi, ça devient très compliqué tout ça. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce que tu me fais là? On a du liquide, mon ref. Hein. J'avais acheté un téléphone, je te mens pas, chef. Je te mens pas, mais t'as moi. T'as dit quoi? J'avais acheté un téléphone. Allez, regardez, t'as acheté un téléphone. Moi, je suis. Oh, ouais. Je le prends grave, c'est bon. Vous me chantez une petite musique en duo. Quoi? Eh, hey, avec des belles rimes et tout. Tu sais quoi, regarde? Tu me chantes Elodie Costa, sa petite musique là, à deux là, en même temps, dans le rythme. Y a moyen, je vous libère. Je te mens pas, je sais pas chanter, hein. Ah, c'est pas chanté, c'est pas grave, tente, vas-y. A2, c'est lui. Arrête tes conneries, chante, dépêche-toi, chante. La tête de ma mère, tu vas chanter maintenant, tu pars pas de là. Eh, chante pour moi, chante autre chose. Eh, t'as pas de sourcil, t'as plus rien à perdre, vas-y, chante, frère. Ouais, mais. Hein? T'as pas de sourcil, t'as rien à perdre. Dépêche-toi, chante. Bah oui, bah oui. Tu veux qu'on chante quoi? Tu me chantes Elodie Costa? Je sais pas ce que c'est. Eh, je connais pas, pote. Ah, je te jure que tu vas connaître. Magou, il va t'apprendre. Regarde, il est là en plus. Bonsoir. Bah, prenez-nous. J'ai besoin. Bonsoir. Oh, ma couille là. Ok, j'ai un mec à récupérer là. Faut que tu leur fasses chanter Elodie Costa. Excuse-moi, il m'a appelé comment le jeune homme? J'arrive, capitaine. On est d'accord. La prochaine fois que j'ai l'impression que tu m'as appelé ma couille, je te mettrai ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ils ont fait quoi les deux tocards là? Délit de fuite. Délit de fuite. Pourquoi délit de fuite, proxénétisme et vol aggravé. Proxénétisme. En plus ils avaient de la drogue sur eux, de la drogue dans le futal. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous avez quelque chose d'illégal sur vous? Ah non mais c'est des fouteurs de merde, je te le dis. Fouteurs de merde. Et bah les deux tocards ils vont lever les bras, ils vont se mettre contre le mur. Contre le mur. Aïe 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 aïe. Allez lève les bras, tocard. J'ai des crampes. Je te le dis, si t'embarques dans sa caisse, t'es mort. Ils ont rien vu. Chante. Attends. Avant que je vous fouille le jeune homme là. Mais chantez. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous? Mais vous voulez chanter quoi? On t'a dit, chantez Elodie Costa avec ton collègue. Mais je la connais pas, je vous jure, je la connais pas. Mais mets tes écouteurs, mets l'instru. Mets tes écouteurs. Allez, tu te démerdes, tu me chantes la musique là. Toi aussi, tu vas pas zapper ça, chante. Il chante pour moi et c'est lui qui conduisait quand même. Non, tu vas chanter. T'es avec lui. Au pire, ce qu'il va faire, lui, il va chanter et lui, il va danser comme une petite salope. Vas-y, moi je danse, pas de soucis. Et je veux pas n'importe quel danse, je veux que tu bouges ton cul, c'est clair. Vas-y. Allez, toi, chante Will Smith là. Il a dit vas-y. Moi je chante sur Magou, moi je suis chaud, Magou. Oh, t'as dit que tu voulais chanter? Magou, oui. Attends, je joue pas avec Ménère, il a pas encore chanté. Chante Elodie Costa, dépêche-toi. Attends, je l'ai dans mes écouteurs là. Voilà, vas-y. Sur mon téléphone, je sais pas, regarde les paroles, tu te démerdes. Je veux que tu chantes là, tout de suite. C'est quoi? Je sais même pas c'est quoi. Il est lent. C'est quoi Elodie Costa? Tu te branles. Chante juste le refrain, c'est bon non? Non, tu chantes toute la musique. Non, bah oui. Dans ta gueule, toi tu dois te heurter. Commence pas à faire le malin. Je te branle là, chef. Ah, c'est Mélodie! Et t'as intérêt à nous faire ta meilleure danse, hein, le jeune homme là, avec son mandala. Ouais, t'inquiète pas. Y'a pas de soucis. Hey, Kayden, je veux pas chanter, je t'en mens pas, moi je connais pas. T'es fou, toi, c'est toi qui conduisais. Là, tu commences à me casser les couilles, chante ou je vais te casser les couilles. Oh là là! T'es long, ça commence à être long là! Je chante, mais je suis pas dans le rythme, hein. C'est pas grave, t'as demandé de chanter, tu chantes, point. Chante, un minimum aussi. Allez! Comme et toi, mélodie, la gourmande à côté danse. Je chante mes envies, poussées par l'élan, portées par mes rêves d'enfant. Vas-y, chante là! Je vais vers l'émeraude. Je casse tous les codes. Je ne laisse personne indifférent. Indifférent! En rythme! Comme une mélodie. C'est ça des voyous. Je suis à fleur de mots. Je tombe à la vie. Je souris. J'ai toujours le dernier mot. En rythme! Et j'essaye d'être drôle sans perdre le contrôle. Voilà, un peu plus d'énergie là. Différent. Peu importe nos différences. Danse en même temps. Y'a un truc là. Et je vais de l'avant. Elodie aime sourire à la vie. Elodie douce comme une mélodie. Hey! C'est bon, chef. Voilà, bon, écoutez-moi bien, mon petite salope, maintenant. On a vos identités, on a vos empreintes, on a tout. Pas de soucis. Vous faites les malins avec la police sur Twitter, ou même dans une manif, ou mes couilles, on met la vidéo sur Twitter, en anonyme. C'est bon. Toi, t'as dansé comme une petite salope, toi, t'as chanté comme une petite salope, vous êtes morts. Vous faites les malins avec nous, vidéo. Sincèrement, c'est mieux pour vous que vous allez en intérim. Allez, on court, dépêchez-vous. Au revoir, bonne journée à vous. Dépêche-vous. Allez, circulez. C'est le cartel de la police. Voilà, tout à l'heure, les collègues, c'était un plaisir. C'est un plaisir. Oh, je suis mort. 88 pour 29. Tu sais qu'il a voulu faire ça en mode drill à un moment. Non, mais attends, c'est le cartel de la police. Il a dit là. Si tu fais le malin, on a une vidéo, on a. Mais je l'en fais à chaque fois. Cartel de Medellin, le bordel. À chaque fois, je l'en fais ce coup. Un cartel de Dès que il fait le malin avec moi, je le filme en train de danser, en train de chanter, hop. Après, il fait plus le malin, j'ai 4 vidéos comme ça. Ah, je suis mort. Là, il se passe quoi ici? Oulala, ils sont où là? Oula, non mais attends, mais y'a du monde on dirait au niveau du parc. Ah y'a clairement du monde là. Tango 29 à Centrale, là y'avait un jeune homme qui était avec nous, t'es où? Ouah, c'est... à gauche y'a du monde de ouf là. Oui, oh là. Là c'est pas normal, c'est pas... Un mariage? Un mariage? Tango 54, on a actuellement un rassemblement au niveau de Times Square, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe.
42 pour dispatcher, s'il vous plaît. On y était juste avant, 54. Hein. C'est quoi? 14, j'écoute, 42. Pouvez-vous supprimer 19 de ma tangue, de ma tango, s'il vous plaît? Eh là, c'est sûr, y'a de la meuf pour 14, nous. Je suis une pute si je pêche ou pas. Je suis une pute. Salut April, ça va? Salut. On t'a déjà dit que t'étais super canon dans cette tenue? Toi aussi. Bah ouais, mais t'es belle. Ah, il sauve hein. Vas-y, viens, vite. Faut voir où ça va. Ah là-bas au fond, ça va les lords, tranquille. 56-18. Là on est là hein. Attends, c'était pas lui mec de ta mère. Mais toi je te connais ta mère, viens là, grand-mère, ta grand-mère qui fait du cross sur les escaliers, viens là. Pas les escaliers comme ta mère. Reviens, toi je te connais toi. Eh viens là tout de suite. Il est où ton pote qui monte les escaliers? C'est lui qu'on veut, viens là. Ah, tu fais un demi-tour, on t'arrête pas. Tu reviens là, on t'arrête pas. Eh, dans 3 secondes, tu t'es pas arrêté, on t'arrête. Eh, t'es dans la merde. Ah, toi! Laissez-moi tranquille! Oui, j'écoute. On se retrouve au Burger Shot si ça vous va. Ok, j'arrive de suite. Eh, je vais t'attraper, je vais te niquer ta mère. Viens! On sait que c'est toi, Karim! Arrête-toi! Y'a rien qui va. Putain, je te viens essouffler sa mère. Et carbure le petit, carbure putain. Non mais il s'arrête pas hein, la tête d'homme. Non mais toi. C'est Karim, Karim. Arrêtez vos menaces. Karim, on sait que c'est toi. C'est bon, tu te vas, c'est bon, tu t'appelles plus Jacques, viens là maintenant. Karim. Bah vers la droite, attends. Ma grand-mère. Lâchez-moi, bande de forêt. Karim, sur la tête d'homme, Karim. Sur la tête d'homme, Karim, tu t'arrêtes pas. Dans les 3 prochaines secondes, Karim. Je vais le dire à ta mère. Oh putain, j'ai sorti la létale. Oh, j'ai sorti la létale. Arrête-toi. Arrête-toi, t'as dit! Répétez. Mauvais coup, désolé. Il m'a mis à l'amende là un peu, non? Il a pris de la distance là. Voilà! Je t'ai niqué! Je t'ai niqué! Putain! Putain, les gars! Putain, on t'a niqué toi! On t'a niqué! Tu crois quoi, toi? Putain! Oh là, putain! T'as enfin arrêté le stunter là! Espèce d'enculé, tu crois que t'es mafia stunting pour faire tout ce que t'as fait? Oh, maintenant, écoute-moi bien, petite chienne! Maintenant, tu vas appeler ton pote, tu vas lui dire de venir te chercher tout de suite! Regarde! Non, mais regarde, il le connaît pas! T'es masse quoi faire, regarde bien! Viens, tu vas voir, toi! On va t'apprendre, les gars! On va le défoncer, mais quoi, c'est que. Toi, je sens, je vais m'amuser. Il est où ton pote? Putain, les gars. Il est où ton pote? Ton pote, il est où? Écarte-toi, collègue. Moi, je sais pas où est-ce qu'il est, les gars. Tu sais pas où il est? Il est où? C'est quoi, c'est quoi? Il est où, le mafia tonting, là? Il est où? Putain, les gars. La tête de ma mère, je vais te mettre des Baba Yaga, s'il te plaît. Mais les gars, mais les gars, je sais pas où est-ce qu'il est, les gars. Moi, je faisais du stop, il m'a pris. Vas-y, collègue, vas-y, tu peux y aller. Écoute-moi bien. Putain, vous me faites peur, bande d'enfoiré. Écoute-moi bien, tu vas appeler ton pote, tu vas lui dire, écoute, je suis en galère. Tout se passe bien. Écoute, va contre le mur, on va te fouiller tranquillement. Voilà. Hein, va contre le mur. Ouvre ta grande gueule, je te nique ta mire. Les gars, j'ai rien fait, les gars. C'est quoi ça? Mais on fait un contrôle, on fait un contrôle. Mais contrôle de quoi, bande de bâtards? C'est un contrôle, c'est un contrôle. Tu m'as mis une patate sans le bâtard. Tu vois pas comment je te pense là? C'est un contrôle. Vas-y, tourne-toi. T'as dit tourne-toi.
Il est où merci ton collègue Merci Norman, merci beaucoup. Un 10 pour Captain. Il est où ton collègue? Eh, vous avez écrit j'étais une balle de baseball ou quoi, bande d'enfoirés là? Il est où ton collègue? Mais quel collègue tu me parles? Moi j'ai pas de travail, boy, qu'est-ce que tu me racontes? Mais ferme ta gueule, t'as l'air en moto, le mec qui fait de l'être stunting! Il est où? Hein? Tu montes les escaliers, fils de pute? Tu montes les escaliers? Mais t'as cru que j'étais son père, sale bâtard ou quoi? Eh, tu sais. Je sais pas où est-ce qu'il est, moi! T'étais là, t'étais, vous étiez deux, vous étiez en train de monter, qu'est-ce que tu fais? Mais je lui fais confiance, moi! Pourquoi tu me fais ça? Boy, hein? Dis la vérité, dis la putain les gars, de vérité! Moi, je sais pas, moi, les gars, moi, tout ce que je sais, c'est que. Eh, il gère la bécane comme never, les gars! Ah ouais, putain! Ah bah ouais, on a vu, hein, il a géré. Après, il s'est bien vanté, il a dit rire comment je l'aurais fait à ces fils de pute! Ah ouais, va contre le mur, on va te fouiller! Oh, si t'as de la drogue dans le futal! Si t'as un dollar sur toi, tu vas, Hebs! Comment ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est quoi ça? Du tissu, du bois, t'as de l'oseille, ouais? Ah batte de baseball, tu fais quoi avec une batte de baseball? Du tissu et du bois! Ah boy! Moi je joue au baseball, moi! Tu joues au baseball? Ben boy, je suis un sacré batteur! T'es un sacré batteur! Ah ouais? T'as qu'à me lancer des balles, on se fait des balles, les gars! Du tissu et du bois, qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai un problème téléphone. Je suis parti en camping, tu connais? Ah bon? Camping? Ah bon? Bien sûr, boy! Vas-y, arrache ta mère! Casse-toi de là! Hé, hé, écoute-moi bien! J'ai mes menottes, les gars! Enlevez-moi les menottes! Je t'ai démenotté! Écoute-moi bien! Tu diras à ton pote, il va voir! Tu vas voir si on va pas le trouver! C'est quoi son nom? Viens là! C'est quoi son nom? Jean-Kevin! Jean-Kevin? Okay. Ah! Jean-Kevin! Eh ben, on va le trouver, Jean-Kevin! On va le trouver, Jean-Kevin! Hein, tu vas voir! Vas-y, les gars! Dis-lui bien! Dis-lui bien! Où qu'il soit! Qui que ce soit, on va le trouver, il est mort. Ah ouais, vous êtes des comme ça, vous. Il est mort, on va l'attraper, il est mort. Vous êtes des comme ça, vous. Il est mort, il est mort. Après, ça s'étonne, il y a des émeutes et que ça repart en et ça, ça t'étonne, okay, tu vas pas fermer ta gueule avant que de mettre une balayette tout de suite, allez, dégage. Oh, balayette laser, plus connu. Allez. Quelle bande d'enfoirés, ceux-là. Saute, Satanas, saute. Satanas. Qu'est-ce qui t'arrive là? Tu vas nous poucave? Non. Tu vas nous casser les couilles à frapper les gens. Tu vas pas nous poucave, moi, je vais avoir des trucs clean, moi, dans ma carrière. Va contre le mur, toi. Va contre le mur, va contre le mur. Ça y est, tu vas nous poucave. Tu vas nous poucave. Attends. Pas envie de vous poucave. Attends, tu vas nous poucave. Moi, je trouve que tu vas nous poucave. T'étais bien en retrait par rapport à nous, quand même, je trouve, là, pendant cette opération. Je te l'ai dit, frappez pas. Non, mais non. Nous, maintenant, on a une seule question pour toi. Tu comptes faire quoi, tu là? Tu vas nous poucave? Non, je vais pas vous poucave, mais refaites pas des trucs comme ça, là. Ah, refaites pas des trucs comme ça. Non, mais y a un risque que tu nous poucaves. On est des policiers, on est pas des justiciers, les gars. Rappelle-moi ton grade. Recru. Voilà, donc là. Donc regarde, tu vas nous poucave pour monter en grade, espèce de petit suceur. Ah, négatif. Jure-le. Pour radio, je jure pas, mais je ne balancerai pas. Tu veux pas jurer? Non, mais regarde ce qu'on va faire. Eh. Prends-le par le cou, je vais pas te filmer, je vais le choper, il faut qu'il fasse des trucs, genre un aveu, genre, dis voir que t'es un ripou, etc. Non, je dirais rien. C'est ton seul échappatoire. Vous avez du 22? Moyen de pression. Oh là là, non, faut vraiment que je serre plus fort, là. T'as une tête de balance! Les cheveux sur le côté, t'as tout pour nous balancer, t'es un berbe en plus! Ah non, je suis pas un berbe, je suis mal rasé. Mais non, je vous balancerai pas. C'est quoi ton matricule? 82. Eh, 82, poucave! On t'a l'œil, 82, je te le dis, on t'a l'œil. Tu détruis les lois de l'amitié, hein. Tu te rappelles hier quand tu m'as doublé? Hein, ça, pour aller réparer ta voiture. Oh, les phrases de balance! Oh, les phrases de balance! Tu te rappelles? Tu te rappelles le 15 août, mon Kinder Bueno? Tu te rappelles quand tu me l'as pris dans ma poche? 82, écoute-moi bien, 82. Hein. Je te jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, tu me balances. Tu nous balances, je fais ta carrière un enfer. Tu vas aller au bureau tous les soirs. De 21h à 4h, tu vas faire de la paperasse. Tu vas faire tous les rapports des gens.